giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau xa rời. Elle, affaire Gérard Louvain fait toujours autant parler des foules. Celle-ci ne semble pas vouloir entrer dans l'oubli, des, autant plus que les revelations du neveu de elle, accusant une fois de plus Criant-Normand de troubles. Depuis plusieurs mois, de nombreuses affaires de viol ont vu le jour, Defiant les chroniques. Elle, une des, entre elle et celle de Gérard Louvain, qui était accuse par son neveu de viol, et de complicite de viol. Si tout le monde pensait que le temps effacerait certains mots, cette histoire ne semble pas prête à se faire oublier. C'est, et ainsi que des mois après cette déclaration, Olivier est revenu sur cette histoire, avec de nouvelles revelations choquantes. Gérard Louvain et son mari Daniel Moine. Photo, Getty Images. Lorsque tout a commencé, il est possible de dire que elle, élément déclencheur de ces histoires, est elle, affaire Doimel. Suite aux declarations qui avaient fait surface dans le livre, Degré la famille à grande, plus ou moins Olivier dit avoir trouvé le courage de raconter son histoire. En effet, celui-ci avait déposé une plainte pour viol sur mineur et complicite de viol, contre son oncle Gérard Louvain. CN, était pas tout, car Olivier S. en était aussi pris au mari de Gérard, Daniel Moyen. Gérard Louvain. Photo. Getty Images. Des mois après le dépôt de sa plainte, Olivia décide de se confier sur son histoire, dans Degré complètement d'enquêté, plus ou moins jeudi 27 mai 2021 sur France 2. Des revelations choquantes dans son monologue, Olivier est revenu avec beaucoup de details sur le début de son agression. Celui-ci expliquait que tout se déroulait souvent lors du coucher. Degré, je vais me coucher et Daniel vient, un peu comme un père vient border son enfant, plus ou moins. Gérard Louvain. Photo. Getty Images. Étant un enfant, Olivier dit que, Hélène, avait pas beaucoup de contrôle sur la situation. Bien que, il comprenait que ce haine était pas normal, il acceptait de le faire. Degré, il va me faire des caresses, me détendre. Il dirigeait ma main vers son S astérisque X, mon visage vers son S astérisque X. Et je le faisais, parce que qu'étaient des hommes de confiance, plus ou moins Hélène, était peut-être pas le seul. Ses accusations ne s'arrêtant pas à ce niveau, car il dit que Hélène était pas le seul à avoir subi ce supplice. Celui-ci dit avoir fait venir un de ses amis, nomme Thomas Danzel, émission, qui aurait aussi subi la même épreuve. Degré, je suis un rabatteur. À 12 ans, point, il faut que je ramène un copain Gasson, qui deviendra l'objet de mon oncle. Puisque mon oncle ne me touchera jamais, plus ou moins Gérard Louvain et son mari Daniel Moine quittant l'église Saint-Pierre de Neuilly sur Seine en 2014, une enquêtée avait mis mette ouverte, lorsque elle, amie des, enfance des, Olivier avait confirmé avoir été abusé par le couple. Cependant, elle, enquêtée avait été classée sans suite, et aucune plainte n'a jamais été déposée. Découvrez aussi la réaction de Florent Pagny face à cette affaire. Abonnez-vous à Momama sur Google News.